Quel nombre décimal correspond à la partie coloriée Chaque carré représente une unité. Donc ce carré qui est là représente une unité et celui qui est ici aussi représente une unité. Donc la partie coloriée en fait c'est le carré entier, donc c'est un carré, et puis une certaine fraction de ce carré qui est là. Et en fait ce carré qui est là on l'a divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties égales. Ce qui veut dire que chaque partie représente un dixième. Hein, une partie sur dix c'est un dixième. Et donc on a ici deux parties coloriées sur les 10. Autrement dit, on a 2 dixièmes de ce carré qui est colorié. Donc finalement, le nombre décimal qui correspond à cette partie coloriée, eh bien, c'est une unité, un carré entier, et puis 2 dixièmes, ce que je vais écrire comme ça, 1,2. Une unité et 2 dixièmes. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Allez, on continue. Alors là, c'est comme tout à l'heure. On a ce carré qui représente une unité et on a une partie qui est coloriée en bleu. Et là, comme tout à l'heure, on peut voir que le carré est divisé en 10 parties égales. Donc chaque partie correspond à un dixième. Et on a colorié 4 de ces parties. Donc on a colorié en fait 4 dixièmes du carré. Donc le nombre décimal qui correspond à la partie coloriée ici, c'est 0 unité. On n'a pas colorié un carré entier. Et puis 4 dixièmes, ce que j'écris comme ça. 0,4. Voilà. Allez, on continue. Alors ici, c'est un petit peu différent parce qu'on a toujours le carré quadrillé qui représente une unité. Mais tu vois qu'on ne l'a pas divisé de la même manière puisqu'on a divisé en fait en petits carreaux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est combien il y a de petits carreaux en tout. Donc on a déjà, horizontalement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits carreaux. Et verticalement, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits carreaux. Donc en tout, on a 10 fois 10 petits carreaux, donc 100 petits carreaux. Alors ça veut dire que chaque petit carreau représente 1 centième. Et ici, on en a colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la fraction qui correspond à la partie coloriée, c'est 7 centièmes. Et si on veut écrire ça sous forme décimale, en fait, on a 0 unité. Je mets une virgule. 0 dixième, et puis 7 centièmes. Donc 0,07, ça c'est le nombre décimal qui correspond à cette partie coloriée. On va voir, ok. Allez, encore un. Alors, de nouveau des carrés qui représentent une unité. Hein. Donc ici on a tout colorié, donc on a déjà colorié un carré entier, ce qui, ce qui veut dire qu'on va avoir une unité. Donc je mets déjà ce 1. Ensuite je mets une virgule, puisque après je vais avoir éventuellement des dixièmes et des centièmes. Et ça, on va le voir ici. Alors là, j'ai le carré, comme tout à l'heure, qui est divisé en 100 petits carreaux. Donc chaque petit carreau vaut 1 centième. Et ici, j'en ai colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc en fait, j'ai 19 centièmes. Et donc finalement, le nombre décimal qui correspond à la partie coloriée, c'est 1,19. 1,19. Alors évidemment, ce 19 qui est là, ça correspond à 19 centièmes, mais on peut aussi voir ça comme 1 dixième et 9 centièmes. Puisque si tu regardes la figure, en fait, cette ligne-là, c'est 10 centièmes, et 10 centièmes, c'est 1 dixième. Donc on a effectivement 1 dixième, et puis les 9 centièmes qui sont là. Donc ça, ça devrait être bon aussi. Voilà.